Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis prêt à vous emmener maintenant. M'emmener? Mais où ça? Alors, monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux. Nerveux? Non. C'est seulement que votre accoutrement est un peu, disons, intimidant. Intimidant? Moi? Mais je suis votre ami. Je m'appelle Manny Calavera et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage. Je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso. Vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul. Tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le pays des morts. Êtes-vous prêt pour la grande traversée? Non! Quelle traversée? Le grand voyage de l'âme en 4 ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long et qu'il peut être très, très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Que diriez-vous de traverser le pays des morts dans une voiture de course? Ou alors sur un paquebot de luxe? Ou, si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express. Le 9 Express? C'est notre TGV super luxe. Il conduit les âmes au 9e monde, le pays du repos éternel, en 4 minutes au lieu de 4 années. Mais les élus sont peu nombreux. Voyons un peu votre dossier. Oui. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. L'Excelsior Plus. Ah, elle est superbe. Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile. Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie. Alors, dans ce cas, vous pouvez m'accompagner? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. Travail communautaire, hein? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. Oh, j'ai pas l'intention de moisir ici. Mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Hé, Manny, patron te demande de pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler sitôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégote-t-ils, ces types? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer. Je ne vais quand même pas passer le reste de l'éternité à fourguer des cannes à des ploucs sans intérêt. Où sont les bons clients? Il me faut un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. Qu'est-ce que c'est? C'est une directive pour mission spéciale. À tous les agents, signé Don Coppal, directeur général. Bon, les têtes de crâne! Croisez les phalanges, on a du pain sur la planche. On a une intoxication de masse sur les bras. Comme il y a trop de morts à sélectionner, les premiers arrivés seront les premiers servis. Alors, remuez un peu vos carcasses. À vos ordres, patron. Service. Hé, hey, qui ose? Excusez-moi, je ne m'attendais pas. Les agents commerciaux viennent rarement dans cette partie du garage. Je m'appelle Calavera, Manny Calavera. Moi, c'est Glottis. Les visiteurs sont rares par ici. J'ai un message pour un certain Calavera. Votre chauffeur a dit que Monsieur Hurley a dit qu'il pouvait prendre le reste de sa journée. Tormino a renvoyé mon chauffeur chez lui? Ouais, c'est sympa, non? Je n'ai donc plus de chauffeur. Oh! Ça m'en a tout l'air. Oui, on dirait. Et tu es chauffeur? Moi? Ah, non. Non, non, non. Moi, je suis juste le mécano. Tu veux bien remplacer mon chauffeur? Moi? Non. Désolé, impossible, le règlement. Allez, Glottis, j'ai besoin de toi comme chauffeur. Non, impossible, je suis trop gros. Tu n'es pas gros,
C'est les voitures qui sont trop petites. Ouais, de vrais pots de yaourt. Et ça me donne une idée. Je peux toujours bricoler la caisse. On vire un peu de tôle et le tour est joué. C'est super comme ça, non pas? Oui. On dit que le noir, ça amincit. Je conduis! Yopé! Je conduis! Bon. Bon. J'aurais été beaucoup plus vite à pied. Rire, je vais louper l'intoxication. Continue de me glacer les os. C'est un bal masqué? Mais nous proposons plusieurs types de forfaits, si vous voulez bien. Arrêtez votre baratin, je veux quelque chose de pas cher où je peux me la couler douce. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, Manny, je pourrais rendre cet engin un peu plus rapide, si tu le veux. Oui, oui, oui. Vas-y. Oh, ouais. On abaisse la suspension, on fait ressortir l'arrière et on fixe un double carbu. Waouh. Comme ça, vous serez bien au chaud, Monsieur Martinez. De plus, le mélange de ces deux produits crée une mousse qui atténue les secousses et qui la rend très confortable. Ouais, bah tout bien réfléchi, je prendrai la formule OTC. Désolé, Bruno, mais votre dossier ne le permet pas. Mais vous, vous avez droit à cette tasse de bienvenue. Attendez, vous ne pouvez pas me trouver un truc là où on peut bouger les jambes? Ce serait avec plaisir, Bruno, mais mon patron est une vraie peau de vache. Faut bien que je sois une peau de vache quand j'ai des agents aussi empotés que toi qui travaillent pour moi. T'es aussi doué pour la vente qu'un cul de jatte au 100 mètres. J'ai tout de même un client. Je parle de gros clients, Calavera. Domino décroche des contrats en or, lui. Comment pourrais-je décrocher des gros contrats avec les rebuts qu'on m'envoie? Hey! Tu t'en prends maintenant, client? Tu sais que tu commences à me plaire, Manu. Si t'as pas décroché un gros contrat avant le prochain rapport, dehors, compris? Je te vire. Au chop-tu, garçon. Qu'est-ce que tu feras avec ton coaster kitsch et ton sourire Colgate? Je me le demande! Comment ça, je suis un rebut? Comment osez-vous? Non mais... Arrêtez! Ah! J'en ai marre d'attendre qu'une opportunité se présente comme une alouette rôtie tombée du ciel. Il est temps d'agir. Toi et tes costards à la noix et tes trous de nez plantés au ciel, ça t'amuse tant que ça d'envoyer tes canettes de bière vides dans le tube, hein? Vous ne comprenez donc pas que le répartiteur du tube est un truc fragile et sophistiqué? Hein? Tu te crois plus malin que moi? Non. Bon. Ça va pour toi, les clowns? Eh, fiche le camp, m'entraîne. On peut savoir à quoi? À te tordre le cou, ça te va? J'aimerais bien de cela, s'il te plaît. Un ballon comme ça, ça marche. Un verre de thé. Rien de plus facile. Cela, c'est illimité. Voyage.
Puis-je me servir de ta perforatrice? Si ça te fait plaisir. Manny, qu'est-ce que tu fais? Je marque ces cartes, chérie. Salut, je ne reçois plus de messages. Le serveur est en panne? Si j'attrape celui qui a fait ça, il va m'entendre, ça oui. Je vais bourrer leur tube avec du produit de conditionnement. On verra s'ils apprécieront. Je peux entrer là-dedans? Juste une seconde. Vous voulez rire? C'est une zone de sécurité maximale. Je suis le seul autorisé à y pénétrer. Bon, j'ai... Hein? Je viens de verrouiller la porte. Étrange, mais d'un symbolisme saisissant. C'est la politique du gouvernement. J'ai pour règle de ne jamais toucher à quelque chose de plus sophistiqué. Mercedes Colomar, client numéro 9308, blablabla, morte de la varicelle, date du décès, etc. Aha. Point positif, lisez des histoires à des enfants en soins palliatifs. Parfait, c'est absolument parfait. À nous deux, Mercedes Colomar, vous êtes celle que j'attendais. Glantis, tu es devenu dingue ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une voiture des fonctions. Je sais, des fonctions, je viens d'en rajouter plein. Monte, allez, tiens. Buenos días. Vous n'êtes pas l'infirmier? Non. Vous n'allez pas me donner mes médicaments? Non, mais je vais vous soulager de votre mal. Ainsi, ils n'ont pas pu me sauver? Non, mais vous, par contre, vous pouvez me sauver. C'est une lourde responsabilité, Monsieur Calavera. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis irréprochable? Mademoiselle Colomar. Appelez-moi Meche. Meche, votre visage ne ment pas. Et votre dossier le confirme. Vous avez droit à un billet de première classe pour... Nulle part? Hein? J'ai fait quelque chose de mal? Si c'est le cas, ce n'est pas dans votre biographie. En tout cas, pas dans les premiers chapitres. Qu'insinuez-vous donc par là, Monsieur Calavera? Excusez-moi, mais je dois consulter votre dossier. Je suis désolée de vous mettre dans un tel embarras. Ce n'est rien, mais je vous en prie, appelez-moi Manny. Je suis vraiment désolée, Manny. Tétanos, dans mon bureau, maintenant! Tu as vandalisé ce qui appartenait à la compagnie pour obtenir des informations confidentielles. Tu as pris une voiture illégalement modifiée, conduite par un chauffeur non déclaré, et tu as doublé Domino. Tout ça pour voler un client à son agent légitime. Rien n'est légitime dans cette compagnie. Vous donnez tous les bons clients à Domino. Manny, je suis vraiment gêné pour toi, tu sais. C'est tout le département qui est gêné! Je vais faire venir cette femme et tu lui présenteras toi-même des excuses! Eva, faites entrer Mademoiselle Colomar! Elle est déjà partie, monsieur. Elle a dit que comme elle ne marchait pas vite, elle devait se mettre en route tout de suite. Marcher? Alors qu'elle avait droit au 9 Express? Elle est partie à pied, c'est insensé! C'est la meilleure formule que j'ai trouvée pour elle. Tu comprends pourquoi je donne les bons clients à Domino? Cette femme était une sainte. On allait lui vendre un billet pour le 9 Express et on n'a pas pu le faire parce que toi, t'as pas pu lui en trouver un. Et maintenant, à cause de ton petit poids de cerveau, la voilà partie là-bas, toute seule, dans la grande forêt pétrifiée, sans défense, risquant à tout moment de tomber sur un démon. Voilà sa récompense pour avoir mené une vie de labeur au service des autres. Son destin a été volé par un vendeur prétentieux qui cherchait à s'octroyer une commission qu'il ne méritait pas.
Rentre là et tiens-toi, peinard, jusqu'à ce que le patron décide de ton sort. Quelqu'un va devoir porter le chapeau pour ça, Calavera, et ce ne sera pas moi. Hé, hey, il y a quelqu'un? Alors, Manuel, as-tu pensé aux conséquences de tes actes? Qui est là? Je suis toi, ou plutôt, ce que tu étais autrefois. Maintenant, moi, c'est moi. Alors, du vent, fais-moi sortir d'ici. Pour sortir, Manuel, il faut d'abord rentrer dans le rang. Si t'es encore loyal envers cette compagnie, dis-le haut et fort. La direction t'entendra peut-être et elle te réintégrera dans son troupeau. Le TDM est corrompu et j'ai bien l'intention de le prouver. Tu oserais? Cela causerait des gros ennuis à cette agence. Je vais tout dévoiler sur vos combines. Pas de doute. Tu es bien un ennemi du département de la mort. Bienvenue au club. Salvador Limones est un ami. Où est-ce que tu m'emmènes? Quartier général de l'AAP. L'AAP? L'Alliance des âmes perdues. Notre groupe est réduit, Manuel. C'est pourquoi nous cherchons de nouvelles recrues. Quel est votre objectif? Nos services secrets doivent être renforcés. Tu connais Eva, bien sûr. Manny? Autrefois, moi aussi, je fauchais les âmes, Manuel. Mais j'ai démasqué un important réseau de corruption au sein du département de la mort. J'ai toute raison de penser que le bureau des acquisitions trompe les clients qu'il est pourtant censé servir. Je crois que quelqu'un prive ces pauvres âmes du destin qui leur est dû, Manuel. Ne leur laissant aucun choix, sinon d'entamer seul et sans protection un chemin semé d'embûches. Comme des bébés, Manuel, comme des bébés. Tu as des preuves? C'est là que tu entres en jeu, Manuel. Ou bien dois-je t'appeler Agent Calavera? Je préfère Manny. Je ne tiens pas à m'enrôler dans une organisation militaire, sale. Je veux juste retrouver mon travail et gagner à l'ancienneté mon billet de sortie. Ouais, mais tu n'arriveras jamais à sortir de cette ville sans mon aide. Ce qui veut dire aussi que tu ne pourras retrouver ni cette femme ni ton travail. Quand tu seras prêt à épouser notre cause, Manuel, reviens donc me voir. Alors on pourra peut-être s'aider mutuellement. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vais lever une armée secrète d'âmes perdues pour combattre l'injustice qui règne à El Alamoel. Quand l'Alliance des âmes perdues se déploiera, la communication sera vitale. Nous aurons besoin des messagers de confiance. Tu as besoin de moi comme messager? Non, Manuel. Nous sommes peu nombreux et nos agents sont trop précieux pour courir un risque pareil. L'histoire nous a appris que nous ne pouvions nous fier qu'à une seule espèce de messager, le pigeon voyageur. Si j'attrape quelques pigeons sur le toit, tu me laisseras partir? Non, je dois les élever moi-même, agent Calavera. Je veux que tu me rapportes des œufs. Tu me gardes ici pour que je te fasse une omelette, c'est ça? Pourquoi es-tu encore ici, Calavera? Va me chercher ma petite escadrille. J'y vais. Adieu, agent Calavera. Viva la révolution! Vous devez me suivre, jeunes amis. Ma faux va vous conduire. Tiens, voilà tes piou-piou. Excellent, Manuel. Grâce à eux, je vais pouvoir former une escadrille de messagers. Portés sous les ailes frémissantes de la justice, la révolution peut désormais se propager dans tout le pays. Grâce à toi, agent Calavera. Il est clair que tout est rangé dans les camps de la révolution, agent Calavera. Et je vais t'apporter mon aide. C'est à Rubacava que tu dois te rendre, mon ami. Si tu veux retrouver ton âme égarée. Comment sais-tu qu'elle s'y trouve? C'est simple. Tous ceux qui veulent accéder au 9e monde doivent traverser la mer des Lamentations et par conséquent embarquer dans le port de Rubacava. Et si tu y arrives avant elle, tu la trouveras, mais l'attente sera peut-être longue. J'atteindrai le temps qu'il faudra. Manuel, es-tu amoureux d'elle? Amoureux? L'amour, c'est pour les vivants, sale. Je vais la retrouver parce qu'elle est mon seul espoir de sortir d'ici. Les bouts du tunnel. Me voilà enfin arrivé à la forêt pétrifiée. Glottis, mon ami, pourquoi pleures-tu? Manny! Oh, Manny! Ils m'ont viré! Moi aussi, Glottis.
service. Tu ne comprends pas, Manny? On m'a conçu pour faire ce boulot. Et ce boulot, c'était toute ma vie. C'est comme si on m'avait ouvert la poitrine pour m'arracher le cœur et le jeter au milieu de la forêt pour... Glottis, qu'est-ce que tu as fait? Oh, Glottis. Pauvres araignées, plus de cœur de démon à manger. Il bat encore. Ouais, le cœur. Le cœur tient bon. Sois bon avec lui. Ne lui fais pas mal. Le cœur tient bon. Le cœur bat fort. Et c'est ma voiture. Monsieur Le Mans, je m'engage à retrouver la femme qui a disparu. Je puis vous assurer que je m'en occupe personnellement. Tout comme tu l'as personnellement récupérée dans le monde des vivants? Ah, c'était mon intention. Mais l'agent Calavera a réussi à me devancer. Tu avais la voiture la plus rapide, Domino. Et on te donnait les meilleurs clients. Tu avais tous les atouts en main. Alors comment expliques-tu que ce Calavera t'ait raflé la mise? Oh, je t'en prie, Hector, ne sois pas trop dur avec Domino. Ce n'était pas de sa faute. Je dois être dur. Il faut que quelqu'un paie pour cette faute. Mais ce ne sera pas Domino. Ce n'était pas lui qui chapeautait l'opération. Du moins, jusqu'à présent. Hector, non ! Des soucis ? Très drôle. Je m'attendais plutôt à voir des tulipes. Ouais, ce sera peut-être pour Calavera, hein, Domino? Et pourquoi ne l'escortes-tu pas personnellement jusqu'au sous-sol? Plutôt, il sera germé plus vite, nos affaires reprendront un cours normal. Mais... Oh, oh! Mademoiselle Coloma, on est là pour vous sauver. Hé, hey, arrête Serafu, toute la ville est endormie. Je veux faire du dragster. Quand ils auront vu mon engin, on sera des célébrités dans le coin. J'en ai peur. On devra trouver un endroit pour cacher notre attraction. En parlant de cachette, je me demande si Mitch est déjà là. Je vais voir ce que je peux faire. C'est de la belle architecture. Elle a du potentiel. Monsieur Flores, c'est une joie de vous revoir. Manny Calavera, c'est toi? Autrefois, tu n'étais pas plus grand? Je suis à la recherche d'une femme du nom de Mercedes Coloma. Eh bien, personne de ce nom n'est arrivé en ville. Je peux te le garantir. Comme moi aussi, je cherche quelqu'un, je surveille méticuleusement les entrées et les sorties. Qui recherchez-vous? Si tu veux le savoir, il s'agit de ma femme. J'ai appris qu'elle était morte peu de temps après moi. Et qu'elle aussi traversait à pied les pays des morts. On dit que toutes les âmes perdues atterrissent à Rubalcava. Alors, je l'attends. Vous devez vraiment tenir beaucoup à elle, Celso. Oui, je l'avoue. Faut dire qu'elle a gardé ma carte bleue. Comment savez-vous que votre femme ne vous a pas devancé? Oh, Manny. Si elle était arrivée avant moi, elle m'aurait sûrement attendu. Je vous aiderai à retrouver votre femme. Comment est-elle? Oh, tiens, j'ai lu ça au DDM et je distribue les photocopies. Tu la trouves comment? Elle devait être belle avec de la peau sur les os. Nous l'étions tous. Il y a un hôtel sympa dans le coin? Tu peux mettre combien? Tout ce que j'ai, c'est-à-dire rien. Dans ce cas, fiston, tu ferais bien de chercher du travail. Et vous pourriez me pistonner? C'est quoi ton domaine? La vente. Bien sûr, tu pourrais prétendre à certains postes, mais je n'ai qu'un balai.
Désolé, Manuel. C'est bientôt l'heure d'ouvrir. Ok, si je vois votre femme, je vous préviens. Elle doit être à la recherche de son cher Celso. Ces touristes. Fais gaffe où tu mets les pieds, étranger. Rubakawa n'est plus le petit port pittoresque d'autrefois. Tiens, tiens, on dirait qu'on a un nouveau vaisseau au port. Excusez-moi, je dois aller vérifier. Et j'ai fait quelques petits changements, pas grand-chose. Avec un bruit pareil, c'est au moins un moteur turbo. T'as jamais entendu comme une sorte de grincement? Moi, ça me faisait mal aux oreilles. J'ai cherché, cherché, mais c'est quand on est arrivé ici que j'ai compris ce qui faisait ce bruit. C'était le carbu? Non, c'était Manny qui hurlait comme un chat attaché à un missile de croisière. Oh, elle est bonne. Hola. Hé, hey, Manny, Monsieur Velasco dit qu'il connaît un endroit où on peut garer le bolidos pendant quelque temps. Oh oui, vous n'allez pas laisser une splendeur pareille dans la brume. Ça va ternir les chromes. Les ternir? T'entends ça, Manny? Vous comptez rester longtemps à Rubakawa? Nous sommes à la recherche d'une femme appelée Mercedes Coloma. Je ne me souviens jamais des noms. Elle avait un signe distinctif, un grain de beauté, un tatouage? Non, pas que je sache. Je t'ai déjà dit, je suis aussi bon avec les noms que toi avec le brouillard. Tu connais cette femme? Oh, oh, si c'est la femme que tu cherches, je te conseille de l'oublier tout de suite. Elle a levé l'ancre il y a 3 semaines et elle n'était pas seule dans sa jolie petite cabine. Comment sais-tu qu'elle a levé l'ancre ici? Je ne te crois pas. C'est un coup dur, fiston, mais il faut faire face. Tiens, regarde dans mon livre de bord si tu trouves son nom. Il y a 6 semaines, un mardi, 2 billets réglés cash. J'ai sabré moi-même la bouteille de champagne. Hé, hey, Manny, on discutait, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Hé, hey, hé, hey, ok. Écoute, je comprends ce que tu ressens. J'ai moi aussi perdu quelqu'un de cher à mon cœur. Je me rappelle encore le jour où je lui ai dit adieu. Il pleuvait sur le port ce matin-là. Comment s'appelait-elle? Elle? Il s'appelait le La Mancha. Mais je n'en dirai pas plus. Cela me fait trop de mal. Celso, ta femme a quitté le port il y a 2 mois avec un autre homme. C'est écrit là-dedans. Oh, Manny, y a-t-il dans la nature une constante plus forte que la traîtrise des femmes? Tu dois l'oublier, Celso. C'est ce que tu fais, toi? Je pars à sa recherche. Tu peux prendre ma place ici. Ce Faubert, au moins, ne te laissera pas tomber. La boussole fixée au pommeau te sera également très utile. Y a quelqu'un qui voudrait te parler. Tu sais bien que je me mêle jamais aux clients. Je suis sûre que tu changeras d'avis en la voyant. Elle m'a l'air d'être ton type. Meche? Manny, aide-moi. Je suis perdue depuis si longtemps. Pourquoi m'as-tu laissé tomber? C'est toi. Toi qui t'es enfui. Pourquoi? Parce que tu m'avais dit que je ne valais rien. Alors, j'ai erré seule pendant toute une année. Et tout ça à cause de toi! Oh.
comptes nous refaire le coup chaque année, Manny? À chaque fête des morts, tu vas jeter tes os dans le vide et moi je vais les récupérer? Je n'ai pas l'intention de moisir ici, Velasco. Dès que je connaîtrai la destination de ce paquebot, j'embarquerai. Il met le cap sur Puerto Zapato. Mais c'est de l'autre côté du monde. Aucun navire ne va jamais par là, sauf notre vieux limbe. Mais rien. Si le limbe est ma seule chance, alors je suis déjà à bord. Eh bien, bonne chance, fiston. Que puis-je te dire d'autre? Capitaine Calavera. Puerto Zapato, Matelot. On y est enfin. C'est un beau port, non? Oui, mon capitaine. Le service des douanes est en bas, mon capitaine. Ils veulent fouiller le bateau. C'est bon, on n'a rien à leur cacher, pas vrai? Aucun squelette dans nos placards. À vos ordres. Amarrez la proue et que ça tienne cette fois. Manuel. Salvador. J'espère que ce message urgent te parviendra à temps. Notre agent à Zapato n'a pas vu Mademoiselle Colomar. On dit qu'elle s'est jetée par-dessus bord à la Perle. Faut-il le croire ou non? En tout cas, ne va pas à Puerto Zapato, c'est un piège. Des tueurs déguisés en douaniers essaieront de monter à bord. Prends garde et viva la révolution! Moussaïo. Oh non! Je n'arrive pas à y croire. Hey, il est revenu! Tue-le! Service des douanes, ouvrez cette porte! Oui, nous allons vérifier vos sacs. Tout ira bien, capitaine. On ne risque rien ici. Bon, on place les charges explosives et on fout le camp! Voilà ce qui arrive. Bouche tes oreilles, Glantis. Mira, pas de blague, matelot. Et tu peux parler, toi, t'as pas de poumons. Hé, hey, tu as bien vécu un moment sans ton cœur. Tu peux te retenir un peu de respirer. Juste le temps que j'analyse la situation. Attention, capitaine, dans les profondeurs les plus sombres de la mer, des lamentations, vivent des monstres horribles. Les insatiables démons des grandes profondeurs t'avaleront dès que tu quitteras ce halo de lumière. Suis mon conseil ou avance d'un pas et apprends par toi-même. C'est bon, je te crois sur parole, mais arrête de parler avec cette voix qui me glace les os. En voilà un maintenant.
Amigo. Ah, qui? Mon Dieu! Encore une épave! Vous voyez? C'est pour ça que je ne prends jamais la mer. On a eu des ennuis. Vous croyez pouvoir nous aider? Ça dépend du genre d'aide que vous recherchez. Pourrait-on emprunter un peu votre lanterne? Désolé, mais je ne m'en sépare jamais. Pouvez-vous nous conduire à la perle? Ah, vous ne croyez tout de même pas à ce genre d'histoire? Vous pensez que quelque part dans l'océan, il y a une perle géante qui brille si fort que les bateaux peuvent la voir et que parfois, les marins envoûtés par son éclat se jettent par-dessus bord pour aller la chercher et qu'on ne les revoit plus jamais? Oui, je crois que c'est par là. Bon, je traverse cet océan depuis des années et je ne l'ai jamais vu. Je vous assure, cette perle est par là. Mais pauvre idiot, c'est la lune! Vous n'êtes quand même pas venu jusqu'ici pour essayer de pêcher la lune. Bon, je ne voudrais pas vous couper dans votre élan. À une prochaine fois. Méfiez-vous des monstres marins. Ces monstres-là. Oh, ils ne s'attaqueraient pas à Chepito. Je suis trop brillant pour eux. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Oh, arrêtez! Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Suis-moi. Où est-ce que vous m'emmenez? Sur la lune. Manissez. La perle! Youpi! Je savais que je la trouverais! Je suis riche, 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 riche! Chut, il se passe quelque chose. Mani, que se passe-t-il? J'en sais rien, mais je n'aime pas la façon dont cette chose nous regarde. Attention aux mains, les clams. Oh, arrêtez! Où allez-vous? Vous ne pouvez pas me laisser seul ici! Revenez ici! Elle revient vers nous. On dirait qu'on navigue au sud. Mais il n'y a rien ici au bord du monde, à part... le bord. Demande pas, Glottis. J'en sais rien. Je vais me faufiler par là et partir à la recherche de Mitch. Et si jamais cette pieuvre se pointe quand tu es parti? Crève-lui l'œil et vole son sous-marin. Mais, stupide pieuvre. Mitch? Mani, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir où en était ta traversée, mon cœur. Je suis ton agent de voyage, n'oublie pas. En fait, merci pour la bouteille de champagne que tu m'as envoyée. Tu n'as pas loupé ton coup. Tu allais tomber dans le piège, alors j'ai essayé de t'éloigner. Domino m'utilisait comme appât et je ne voulais pas qu'on t'enferme toi aussi. Tu veux dire que tu es prisonnière? Ou alors que tu partages le lit du directeur? Si c'est ce que tu penses de moi, alors pourquoi es-tu venu ici? Parce qu'il travaille pour moi. Il est sous mes ordres. Je savais que tu finirais par venir. Manuel Calavera s'arrange toujours pour faire partie de l'équipe gagnante, non? J'étais sûr de le voir arriver. Je compte repartir bientôt. Et avec tous ceux que tu retiens prisonniers. Mani, on n'échappe pas à cette île. J'ai bien peur que tu sois obligé de t'intégrer à mon équipe commerciale. J'ai besoin que tu me remplaces ici. Je dois retourner en ville, c'est là que ça bouge.
Désolé, Manny, il fallait que je vienne. Je m'ennuyais tout seul dans l'eau. Pas besoin de lui. Je vais te faire regretter ça, tu ne paies rien pour attendre. On verra ça. Mais pour l'instant, je vais te montrer ton nouveau bureau. Fais gaffe, Bibi. Le nouveau patron se réveille. Je vais te mordre, croix de bois. Arrête de mordre, s'il te plaît, Pugsy. C'est pour ça qu'on nous a enfermés ici, tu te souviens? Pourquoi voulez-vous me mordre? Tu n'es qu'un méchant. Monsieur Hurley, il dit que t'es plus méchant que lui. Il dit que tu as une scie à os. Si vous me mordez, je le dis à vos parents. Nos parents? Nos parents? Non, ne pleurez pas. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Je suis vraiment pas doux. Je m'appelle Manny Gravel. Et toi, petit? Monsieur Hurley nous a parlé de toi. C'est toi qui as piégé notre métier. Pauvre métier. Je n'ai piégé personne. Monsieur Hurley devait s'occuper de métier. Et toi, tu lui as volé l'affaire. C'est la vérité? Je vais essayer de tout vous expliquer en détail. Mon travail, c'était de vendre des billets de voyage aux âmes en migration. Si j'en vendais assez, je pouvais quitter le pays des morts. Comme j'étais dans le pétrin, j'avais besoin d'une très grosse commission. T'es un vilain! Va-t'en, vilain monsieur! Ouais, fiche le camp! Qu'est-ce que vous faites dans cette cage? On fabrique des ampoules. On bosse, et c'est pas de tout repos. Lâche-nous les baskets! Écoutez, les enfants, je suis venu vous aider. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de place ici. Tes mains sont trop grandes pour faire des ampoules. Mes mains ne sont pas trop grandes pour ce travail. Dans ce cas, aide-nous! C'est que je n'ai pas d'outils miniatures, voilà pourquoi. Tiens, prends mon marteau. Je suis venu vous aider à sortir de cette cage. Tu peux pas faire ça. On doit rester ici et prendre soin de Métier. Elle se sentirait si triste toute seule. Parfois, on l'entend pleurer dans son coin. Tiens, voilà mon prince charmant. Tu es revenu pour m'insulter ou veux-tu simplement un peu de glace pour ton crâne? Ow! Oh, mes bas! Ils sont fichus! Mais c'était ma plus belle paire! Pas facile de conserver quelque chose de correct sur cette île. Ça me convient très bien. Quoi ça? La vitesse à laquelle tu travailles. Merci, Manny. Mais comme tu n'es pas mon patron, je m'en fiche royalement. Bien, excellent. Continue. Domino. Domino! Tu prends déjà ta première pause café, Calavera? On a un compte à régler, l'ami. Si un jour j'avais osé parler comme ça à mon chef Hector... Tu as tué mon meilleur ami. Le démon? Manny, on peut se servir d'un démon comme chauffeur, comme messager, comme serviteur. Mais on ne peut pas songer à s'en faire un ami. Ce n'est pas naturel. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici au bord du monde? Je me pose également chaque jour la question. Je vais te former, Manny, afin que tu prennes ma place à la tête de cette fabrique d'ampoules électriques. Comment peux-tu enfermer des petits enfants? Crois-moi, c'est plus facile à enfermer que des grands enfants. Pourquoi n'essayes-tu pas de me germer comme à Puerto Zapato? Ce n'était pas moi, c'était Hector. Il n'a aucune imagination. Il essaie toujours de régler les problèmes tout seul. Mais je crois cependant qu'en travaillant honnêtement, tu peux être réhabilité. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je vais travailler pour toi? À part travailler, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette île, tu peux me croire. Et quand je serai parti, il n'y aura plus que toi et Métché sur cette île déserte. Pense-y. Ne me dis pas que cette perspective te déplaît. Je ne compte pas rester longtemps sur cette île. Je possède toutes les armes, je contrôle tous les moyens de transport et j'ai tous les cerveaux. Que comptes-tu faire? Je ferai sortir Métché de ce donjon. Avant que je ne la trouve, elle avait passé un an seule dans la forêt pétrifiée par ta faute. Tu ne trouves pas qu'elle a un peu plus de confort ici dans mon donjon, comme tu dis? Tu as monté en secret une fabrique d'ampoules avec Hector? Oh non, c'est juste un à côté. Le but final est d'avoir un endroit où nous pouvons enfermer tous mes anciens clients. On ne peut pas laisser les âmes déambuler à leur guise dans ce pays et raconter à tout le monde que nous avons volé leurs billets de première classe.
Tu as volé les billets de tous ces gens? T'as pas encore pigé le topo? T'es pas futé, Calavera. Copal m'envoie tous les bons clients, mais avant, il les dépouille de leurs billets pour se constituer un fonds secret. Moi, j'efface les indices et ensuite on fait en sorte que le pigeon tombe dans le vide. À la perle. Je le savais! Ainsi, tous les bons clients étaient pour toi! Oui, tout, sauf Mercedes, dont tu m'as dépossédé et que tu as emmené dans cet engin ridicule que j'ai vu, soit dit en passant, quand je suis allé à Rubacava. Je vais te dire, Manny, ce genre d'engin ne me paraît pas sûr du tout. Ce n'était donc pas de ma faute si Meche n'a pas eu de billets. Mais c'est de ta faute si elle s'est retrouvée dans la forêt et non ici. Mais j'ai arrangé ça. Un billet pour toi, un pour Hector, combien t'en faut-il encore? Oh, Manny, on ne touche jamais directement le produit. On vend les billets à des âmes déboussolées, incapables de vivre une vie droite parce qu'elles sont nées avec l'odeur du fric plein les narines. Mais tu pourrais prendre les billets et partir tout de suite. Nous avons réussi à faire du pays des morts un endroit vivable. Pourquoi partirions-nous? Bon, je dois songer à préparer l'évasion. Bon courage, petit! D'une pipe. Regardez mes sourcils. Eh bien, vous n'étiez pas dans un endroit très sûr. Pas plus que vous en ce moment, amigo. Relax, on va se tirer d'ici vite fait. Oh, on a fait la route ensemble. Je travaille en solo, l'ami, et je marche seul. Cet outil est un peu trop puissant pour nous. Trop puissant? Rien n'est trop puissant pour moi. Si vous le dites. J'ai déjà vu un vrai piolet. Un piolet? Non, jamais. Mais ça me tenterait d'en essayer un. Hé, piolet, tu me bottes. Visez-moi, c'est pas. Hey, c'est de la vraie soie. Où les avez-vous trouvés? Je les porte en permanence sur moi. Vous aussi? Hey, je suis prêt à vous les échanger. Bon, c'est qu'ils me tiennent chaud. Vous avez autre chose qui puisse me réchauffer? Un semi-automatique. Ça vous dit? Impec. Ah, mon premier Germinator. Il est chargé? Non. Hey, les balles sont précieuses. Tiens. Il n'y a pas de relation possible sans confiance. T'as raison. Une relation sans confiance est à peu près aussi vide qu'un revolver sans balles. Tu as oublié que les filles malines en conservent toujours sous leur chapeau. Au cas où, allez, avance. Mais tu ne sais pas quelle... Je sais exactement ce que je fais, alors avance! Écoute au moins, quel est mon plan d'évasion? Jury Fifi au paradis? Laisse-nous filer, Robinson, ou ton vendredi va déguster du plan. Ça me fend le cœur de te voir partir, Manny, mais... On dirait que ta souris ne rigole pas. Je n'hésiterai pas à tirer. Parfait. De toute façon, il ne travaille pas pour moi. Mais je croyais... Alors ce sera toi. Tu n'en feras rien. Tu as une âme pure, pas vrai? C'est faux. Je suis devenue mauvaise. Quand on enferme quelqu'un, il devient forcément mauvais. Je vais te briser comme un vase made in Taiwan, je vais... Chouette, cette môme. C'est un vrai volcan. Mais en général, une nuit au trou suffit à la calmer. Manny! Babsy! Ah! Y a quelqu'un? J'ai dû frapper un circuit important. On dirait que j'ai mis les boyaux à nu ici. Bouge pas! C'est bon, Meche. Tu peux sortir maintenant. Meche? Meche, tu es là-dedans? Sors de là, mon cœur. On n'a pas le temps de jouer à cache-cache. Oh-oh. Pourquoi diable se fermer? Je n'avais pas d'autre solution. Le vent? Oh...
Hey, c'est mon espace. Va respirer l'air de ton espace à toi. Qu'y a-t-il dans ces valises? Jette un œil. Ce sont tous les billets pour le 9 Express qu'Hector et Domino ont détournés. Tous volés aux meilleures âmes et maintenant ils moisissent là-dedans. Mais bien sûr! Quoi? Ils attendent ici. C'était ça qui me chiffonnait. À l'époque où j'étais un as de la vente, j'en vendais plein, des billets de première classe. Et ils bougent. Comment ça, ils bougent? Ils s'agitent et se mettent à tourner comme des papillons autour des âmes auxquelles ils sont destinés. Mais ces billets, c'est comme s'ils étaient morts. Pourquoi Hector et Domino stockeraient des valises de faux billets de première classe? Si on attend que l'eau envahisse la pièce, on pourra atteindre le haut et sortir d'ici. Bon, c'est plutôt décevant. Pas pour moi. Rappelle-toi qu'on ne flotte pas. Merci. Après toi? Que fait-on des valises? De toute façon, ils sont faux. Elles ne passeraient jamais par ce trou. En route! Bon, tu prends les gosses et tu attends que je ramène le bateau. Quel bateau? Eh bien, je vais trouver. D'accord, Manny. Glottis, tu vas bien? Je me suis fait un peu mal en tombant, mais ça m'a permis de trouver un passage. Je dois t'avouer, Glottis, que je te croyais mort. Oh, Manny, j'ai vécu quelque chose de formidable. Écoute. Aucun moteur n'est capable de résister à l'amour que savent donner ses mains. Apparemment, non. J'ai parié que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, j'y avais pas pensé! Je l'avais retapé juste pour mon plaisir, mais ton idée n'est pas mauvaise. Glottis, quelle joie de te revoir! Tu as réussi à le faire flotter? Oh, c'était du gâteau! Le plus dur sera de franchir cette grande barrière de corail là-bas. Franchir la grande barrière de corail? Ok, donne-moi une minute ou deux. Ah oui, c'est juste ce qu'il faut. Un vrai bijou. En avant toutes! Quoi? Tu veux vraiment me ramener là-bas pour essayer de récupérer ton ancien poste? Ma seule mission désormais est de t'emmener, toi et tous les prisonniers, jusqu'au terme du voyage. Mais si je ne te sers pas de monnaie d'échange pour retrouver ta place, pourquoi avoir passé tout ce temps à me chercher? Mais il fallait que je te trouve. Je m'arrange pour te donner une seule mission. Et déjà, tu es en train de tout foutre en l'air. J'espère que tu réalises que ton dossier personnel en portera la trace. Je ne te crois pas, Calavera.
Je savais que tu serais un mauvais perdant. Ah, tu aurais dû suivre mon exemple, Manny. J'ai essayé de te montrer la voie, mais tu n'écoutes pas. Change ton attitude et regarde un peu ce qui pourrait t'arriver. Peligiano, monsieur. Salle d'attente numéro 2. Suivant. Glantis! Glantis! Estas bien? Oh, grand demonio, Roedor! Oh, Roedor! Oh, grand demonio, Roedor! Glantis! Nous avons trouvé notre sauveur! Glantis! Que se passe-t-il? Depuis quand ce vénéré démon n'a-t-il pas conduit? Ça fait des mois que nous marchons. Des mois? Des mois? Dans ce cas, le vénéré risque de mourir. Mais... Glantis, je suis désolé. Manny! Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu étais malade? J'étais lancé. Il faut sauver tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il un remède? Il me faut rouler. Voler. Comme au bon vieux temps, Manny, sur le Bolidos. Mais le Bolidos n'est pas ici, carnal. Peut-être le retrouverai-je de l'autre côté. Et si on se construisait un bolide? Ce temps est loin, Manny. Plus de bolide. Et c'est quoi ce truc rouge? La cabine? Quelle belle décalcomanie. Écoutez, les gars, quelqu'un a-t-il un crayon? Ça y est, mon œuvre finale. Cela peut me sauver. Manny! Un pépin? Monte voir par toi-même! Hé! Hey, où sont-ils tous passés? Zone d'attente 2. Combien de temps doivent-ils attendre là? Jusqu'à ce qu'ils aient des billets. On leur en avait donné pour le numéro 9 Express, mais ils ne les ont plus. La sanction pour la revente de ces billets est très, très sévère. Mais ils ne les ont pas revendus. Leurs billets ont été volés. Par qui? Hector Lemans les a volés pour les revendre à des riches qui ne le méritaient pas. C'est peut-être eux maintenant. Voyons un peu ce qui les attend. Récemment, j'ai eu la visite d'un oiseau avec une tête d'homme. Connais-tu ce genre d'oiseau, Manuel Calavera? Non. Comment savez-vous, mon? Il te connaissait, et c'est pour toi qu'il a laissé ce mot. J'ai intérêt à ne pas laisser traîner ce petit message. Je sais ce que tu manigances. Je t'ai observé. Reste où tu es, je viendrai te germer moi-même. Amitié, Hector Lemans. Irolé. Nous allons te tirer comme une flèche dans le vent. Puisses-tu percer le cœur du vent et boire le sang de l'air. La vitesse est la nourriture du grand Glantis. Que la vitesse te ranime. Reviens nous voir un jour. We'll be right back.
Je pense qu'il tiendra jusqu'au bout. Regarde, on arrive déjà à Rubakaba. Oh, Mani! Mani! Mani, où es-tu? Oh, Mani, j'ai les boules! Tu te rappelles le bon vieux temps, hein, Mani? C'est du passé, l'ami. Il n'y a plus rien qui nous intéresse ici. Sauf peut-être notre vieille voiture. Dios mio! Elle a été... On est piégé. Par qui? Manuel Calavera? Et qu'est-il arrivé au limbe? Je suis désolé, Velasco, mais il a sombré à la perle. Mais on a trouvé un nouveau bateau, le La Mancha, et on a réussi. Le La Mancha? Mon vieux rafio pourri! Où est-il? Eh bien, on l'a échangé à Puerto Zapato contre des chiens de traîneau. Bien joué! Je m'en vais de ce bled malfamé. Mais... Merci de l'avoir retrouvé, Mani. Puerto Zapato, me voilà. Malfamé? Calavera, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai su que tu avais fait chou blanc à Zapato. Disons que Le Mans a essayé de m'avoir, mais il a loupé son coup. Je retourne à El Alamoal pour lui régler son compte. Les choses ont changé ici. Tu ne sais pas dans quel guépier tu vas te fourrer. Je vais t'accompagner. Laisse-moi juste le temps de m'apprêter. D'accord, mais si tu entends une explosion, ça veut dire que le voyage est annulé. Si je la bois, le limbago se coincera probablement dans ma gorge. C'est quoi? C'est... limonade limbago. Bois donc. Voilà un apéro plutôt musclé. Pour mes aïeux, pas mauvais du tout. Dis-moi tout de suite où tu as trouvé ça! Dans la cuisine d'Olivia. Limonade limbago! Mani, ne sommes-nous pas pressés? T'inquiète pas, ce sera pas long. Oh! Mon estomac a perdu de son élasticité. Oh, Glottis. Alors comment appelle-t-on ce truc qui entoure les jambons en boîte? Belle démonstration. Tu n'aurais pas un bonbon à la menthe par hasard? Tu as demandé un lapin. Bonne idée. Je parie que je peux le coincer maintenant que c'est froid. Tu me laisses d'abord traverser, Dak. Je dois d'abord la désarmer. Bon, il n'y a rien là-dedans. On dirait qu'Hector contrôle désormais toute la ville. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Seul un petit groupe s'oppose à lui. Des types qui vivent à la périphérie de la ville. Dans un endroit comme celui-ci. J'espère qu'ils ne font pas de mal à Glottis. On voit que tu ne les connais pas. Leur chef est un homme génial qui...
Manuel Calavera, comment se retrouve? Je vois que tu as trouvé ce que tu cherchais. Tu tombes au bon moment, car nous aussi nous sommes sur le point de réussir. Notre armée s'est agrandie, et nos meilleurs agents sont dans le labo de munitions de Le Mans, prêts à confondre l'ennemi dans son propre repère. Je n'y serais pas arrivé sans toi, Manuel. Ils m'ont eu! C'était un piège! Écartez-vous, il n'y a qu'une chose à faire. Merci, chef. Vous m'avez sauvé. Mais plus encore, vous m'avez permis de continuer à servir notre cause. Pourquoi tu parlais d'un piège? Hector a démasqué notre agent dans son labo. Non. Bosley, triple idiot! Ton nouveau laborantin est un espion! Tu sais ce que c'est qu'une vérification en profondeur? Quoi? Pas le temps d'expliquer. Je dois prendre les choses en main personnellement. Emmène-moi. Ça fait des années que je rêve de servir votre cause. Voici mon plan. J'ai besoin d'un déguisement pour m'approcher d'Hector. Et d'un flingue pour que notre conversation ne sombre pas dans la mélasse. Si tu t'occupes de ça, moi je tâcherai de découvrir où il est. La tour de son casino est directement au-dessus du QG. C'est bon, on se retrouve là-bas. Elle n'a pas peur des missions dangereuses, elle serait très utile à notre cause. En ce qui me concerne, ma cause c'est elle. Qui est le pivot? C'est Bosley, l'expert balistique personnel d'Hector Le Mans, alias le fleuriste. Il était fleuriste dans l'Ancien Monde, mais ici c'est un expert en armes botaniques. Il n'assume pas toujours son conflit intérieur. Pourquoi fabrique-t-il des germinators pour Hector et pas pour moi? On essaye de le recruter depuis des années, mais son labo est dans la tour d'Hector. C'est sans espoir. Bon, il n'y a rien là-dedans. Vol petit, pour la révolution! Des messagers d'Hector? Avec un message pour moi? Je sais ce que tu manigances, tu m'as trahi. Je viendrai te germer moi-même. Amitié, Hector. Je le savais! J'ai toujours su qu'il viendrait me faire les os! Tu ne trouveras jamais mon repère secret, Hector. Il te faudra chercher un autre fleuriste! Toi, l'étranger, je peux t'aider? Je cherche quelque chose en 9 mm. Oh, j'ai un très beau bouquet ici, juste ce qu'il te faut. Et voilà, peut-être aimerais-tu que j'ajoute un peu de myosotis. Et comment? C'est tout bon, voilà. Je te souhaite une excellente journée. Gamin, c'est ton jour de chance. Il nous manque quelqu'un. Tu vas rejoindre les Bones Apart dans le show de Johnny Bones. Ah, j'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là. Alors assieds-toi, je dois te maquiller. Hé, t'éloigne pas, hein, on sait jamais exactement quand commence le spectacle. Ah,
Et qu'est-ce qui se passe sous cet impair? Aucune idée. Qu'est-ce qui se passe sous ce masque? Agent Calavera? Toi? Salvador ne t'a pas coupé en deux en début de soirée? Oui, ce qui m'a donné cette occasion rêvée de servir la grande cause en récoltant des fonds pour l'AAP tout en escroquant ton pire ennemi par la même occasion. Qu'est-ce que tu fais exactement avec ces machines à soupe? Je plonge ma main dedans comme s'il s'agissait de la gorge d'Hector Le Mans et je fais en sorte que la machine régurgite l'argent qu'elle a avalé. Yeah. Buenos días. Arrière, imbécile, ou mon mari ici va te dévisser la mâchoire. Meche, c'est moi. Manny? Drôle de costume. Tiens, aide-moi à mettre Monsieur Big Boss dans ce drap pour qu'on puisse sortir. C'est vous, ma jolie. Je t'aurai. Une directive vient d'arriver signée Salvador. Hé hey. À l'aide! Fixe cette machine et laisse la monnaie illico. Hey, joli! Pour l'amour du ciel! C'est pas drôle! Tac! À l'aide! Tac! Amour du ciel. J'ai réussi. Ça marche. Je savais que ça marcherait. Génial. Maintenant, allons-y. J'ai envie que tu me paies un verre, Romano. Je te rejoins à la gare avec les billets, d'accord? Il n'y en aura pas pour moi. Tu devras donc retourner toute seule. J'arrangerai la chose avec le garde-barrière. On a besoin de son aide. Bien, ma jolie. J'ai un autre système infaillible que je voudrais te montrer. Un peu étroit aux épaules, mais au moins ça ne sent pas les chiens de traîneau. Celso Flores, que faites-vous dans la salle d'attente d'Hector Le Mans? Oh. Il nous a envoyé ici pour qu'on réfléchisse à son offre. Qui êtes-vous, si je puis me permettre? En fait, je travaille pour Hector. Il m'a envoyé répondre à vos questions. Et je m'en occupe, ma très chère. Que pouvez-vous me dire sur ces billets de première classe? Les prix ont l'air d'être plus que de première classe. C'est de l'escroquerie. Ils sont faux. Prenez votre argent et barrez-vous. Oh, oh, oh! N'essayez pas ce genre de psychologie inversée sur moi, mon ami. Je viens de passer les plus mauvaises vacances de ma mort. Le fait est que moi aussi, je sors d'une aventure banale, alors... Je suis allé jusqu'au bord du monde et j'en suis revenu. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait tant de dangers dans les pays des morts. Alors combien êtes-vous prêt à payer pour échapper à tout ça? Bien, ma chérie, allons dilapider notre pécule ensemble. Monsieur Le Mans, nous avons décidé d'accepter votre offre généreuse. Excellent, excellent. La petite dame vous a fait changer d'avis? Non, en fait, c'est plutôt votre agent local. Bien sûr, c'est un de mes meilleurs. Entrez, nous allons bavarder un peu. Vous voulez bien? J'y vais toujours. Je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous avez réussi à envoûter les époux Flores. Ne partez pas. Quand j'en aurai fini avec eux, il y a quelque chose en ville que j'aimerais vous montrer. Il ne s'agit pas simplement d'un poste à remplir, mais plutôt d'une chance à saisir pour un cas qui en veut. Depuis quelque temps, les opportunités sont nombreuses ici, mais il nous manque des cerveaux, vous comprenez? Et je suis sûr que vous êtes notre homme. Ce pourrait être votre bureau. Tenez, essayez ça. C'est de la belle étoffe, ça vous tente. Et comme prime de bienvenue,
2% sur ce magot. Monsieur... Mon nom est Calavera et je veux une plus grande part. Oh mais, monsieur Calavera, j'en ai moi aussi personnellement besoin pour pouvoir quitter ce monde. Vous savez, j'ai été un très mauvais garçon. Je vais distribuer ces billets à leurs vrais propriétaires. Quant à toi, j'espère que tu n'es pas du tout allergique au pollen, hein. Hey, Chihuahua! Celui-ci doit être le tien. Appelez-nous en cas de pépin. Allez, monte, dépêche. Où sont passés tous les hommes de Salvador? Ils étaient censés nous couvrir ici. Je ne sais pas. Il ne me l'a pas encore dit. Hola, Manuel. Faut y aller maintenant, Manny. Essaie de marcher. Ces fleurs, ce sont tous ceux qu'Hector a germés? Quand tu seras au sommet, comme l'est mon ami Hector, tu te feras beaucoup d'ennemis. Elle m'aime un peu. Pas du tout. Tu n'as pas tout à fait tort. Oh, Manny, quel cynisme! Comment se fait-il que tu aies perdu l'espoir qui te faisait vivre? Que s'est-il passé? Je suis mort. Je vois. Domino avait donc raison. Tu es un pessimiste invétéré. Pour ce qui est des invertébrés, Dom est effectivement expert. Et dans le même ordre d'idées, Manny, tu seras bientôt le plat préféré des vers de terre. Le moment est peut-être venu de me dévoiler ton plan secret, Hector. Tu as volé des billets pour le 9 Express à des âmes innocentes pour soi-disant les revendre. Mais en fait, tu les as conservés pour toi. C'est ton seul recours pour quitter le pays des morts. C'est faux! Maintenant, tu vas te tordre de douleur pendant plus d'une heure parce que cet idiot de Bounsley est parti avec le germinaflore à effet rapide. Celui-ci va te germer très très lentement, j'en ai bien peur. Manny, où vas-tu comme ça? Les tulipes ne sont pas précoces cette année, manque de peau. Pas de peau, pigé. Pas de peau. Merci, Toto Santos. Allez, sois sympa, remue-toi. L'un d'entre vous sera à moi. Oh. Salvador? Écoute-moi bien, Manuel. Il y a un revolver dans le coffre de cette voiture. Dis à Eva que je lui fais confiance pour diriger l'Alliance quand je serai plus là. Quand je mordrai cette dent dynamité, les nuages mortels ne germera pas seulement ma cible, mais moi avec. Ta cible? Qu'est-ce que tu... Hé, hey, tire-toi de là. Adieu, mon ami. Qu'est-ce que vous disiez à propos de la direction de la AP tous les deux? Hey, Sal, tu as un message à transmettre aux troupes? Juste ceci. Viva la révolution! Ah!
J'ai ma faux. Là, j'en reviens pas. Salvador a toujours eu un billet sur lui. Ah oui, des balles à foison. Tremble, Hector. Oui, tu m'as bien compris. Ça ne me plaît pas. Ils sont tous là. Et vous, vous en avez un? Oui, la compagnie m'en a donné un. Une sorte de cadeau de départ en retraite. Et c'est bien gratuit pour les démons, non? Oh, Manny, je ne peux pas venir avec toi. Je suis un esprit de la Terre, tu le sais bien. Il m'est impossible de quitter ce monde. J'ai tellement à cœur de sauver les gens que je me figurais que j'allais te sauver toi aussi. Oui, mais je n'ai pas besoin d'être sauvé. Ça me plaît ici. Je ne suis plus seul et c'est grâce à toi. Et j'ai un nouveau job et de nouveaux amis. Un vrai conte de fées. C'est donc ici qu'on doit se quitter, non? Dans mes bras, Manny. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Adieu. Quand nous serons dans l'autre monde... Qu'y a-t-il, mon cœur? Allons-nous être ensemble? Tu sais, mon ange, j'ai appris une chose dans ce métier. Personne ne sait ce qui nous attend au bout du chemin. Alors autant profiter à fond du voyage.